Bonjour à tous et à toutes, ouais, c'est un peu le bras, mais pourtant. Hello. Oh, c'est bon. C'est Hello. bon. Hello. Alors aujourd'hui, on va faire les produits les plus. Retour de Le retour de course. course, j'étais en train de chercher. Donc, on était faire un tour à Leclerc, à Romy. Combien on a payé? 100 euros. 100 euros. Vous allez voir ce qu'on a pris seulement. La marque Eco Plus, hein, quand même. C'est affolant. Il y a de la marque aussi, mais Oui, mais voilà. bon. Quand on va à Leclerc, on se fait toujours C'était, mal. on a pris des promos en plus, hein. Ouais, que des promos. Ça fait mal. Bon, allez. Donc, ça, c'est quoi cela? C'est des cappuccinos pour ma femme. Donc, là-dedans, vous avez 8 doses de lait, 8 doses de café pour 2,92 €. La marque Repère. Marque Repère. Hein. Je ne sais même pas si c'est de la marque Repère. Si, la Si, marque Repère, vous n'avez Repère. pas fait gaffe. Ça, et par contre, alors cela, bah, les Dolce, ah, ça n'a rien à voir. Hein. Ah, mais les macchiato, je les trouve pas autrement. 3,98 € quand même, cela. C'est comme les Ricorico. Comme ça va que dans la Dolce, hein. Vous faites gaffe. Même cela, quand vous les prenez à Leclerc, Dolce. Dolce et Gusto. On va encore dire des bêtises. Attendez, monsieur. J'ai appris des crêpes pour notre fils. Donc ça, c'est des crêpes comme ça, là. C'est encore de la marque Repère. Je crois pas la vraie marque Waouh et tout le bordel. Ce qui coûte une blinde. Ouais, elles sont très bonnes celles-là. Oui, ça lui suffit, la preuve. Hein. 1,33 €, donc j'en ai acheté 2 lots. Là-dedans, vous avez, je sais plus combien de paquets, 8. Non, c'est pas ça. Si, si, 8, 8. donc ça fait 16 crêpes, 3 jours. Elle aime bien ça. Ouais, Et comme son 12 père, par ça mois. les sent tout seul, les crêpes. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, on est parti à Leclerc, en fait, de base, c'était pour acheter les petits déj, parce qu'en fait, on n'avait plus rien dans le placard, donc on s'est dit, avec les gosses qui sont à la maison, la grande qui va être bientôt en vacances, Alexis, pareil, donc on s'est dit, non, il va falloir qu'on ravitaille, on n'a pas grand choix. Donc, les croissants en 14, alors là, vous allez être surpris du prix, quand même. Il y a 14 croissants, emballage, sur-emballage à l'intérieur, vous allez y avoir. Individuel. 2,60 €, hein. Ils sont vraiment plaisir pour de la marque Repère, quand même, hein. C'est trop rare. Vas-y toi, je vais pas tout faire le répertoire, hein. Je bosse C'est un toi peu. qui t'es Hein. bien parti, donc Oui, non, voilà. mais je sais. On a pris un petit sandwich pour un gros sandwich. La marque XXL de chez Donna. Il était en promo ça, ce matin, donc j'ai pris 1 euro. T'as mis ça où toi? Derrière, là. 1,78 €, il y en a 3 dedans, donc c'est au poulet rôti et crudité. On a McDonald's, c'est très bon ceux-là. Ils sont pas trop secs. Ouais. J'ai trouvé un petit jambon en promo, donc je l'ai pris. Du jambon, voilà, tout simple. Hein. La marque Fleury Michon. 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 Ah. Désolée, j'ai mis le boucher. Avec la couenne, donc voilà, 4 tranches, 1,50 €. Validité est courte, hein, bien sûr. Ma femme, elle a dit qu'on va acheter de la betterave parce qu'elle a demandé à son fils, soi-disant qu'il avait mangé de la patate rouge. De betterave rouge, mais bon, patate rouge, lui, c'est pas encore trop, il a que 6 ans, donc c'est un peu cafouillé. Donc on a acheté un petit pot de Bonduelle, hein, en marque Repère aussi. Non, Non, il n'y avait pas de marque il n'y a pas de Repère. marque Repère. Donc il y a 300 grammes à l'intérieur pour 1,51 €. Vous avez vu le petit format, hein, vous avez presque rien à bouffer. Non. On a Bonduelle. Donc là, marque Repère piémontaise. Alors là, c'est le summum de la connerie, là. 3,56 €, 500 grammes. Pourquoi tu dis ça même de la connerie que tu les achètes quand même? Ben, on n'a pas le choix. Tu m'as dit, oh, on prend des salades fraîches, on fait pas la bouffe aujourd'hui. Moi, ouais, je t'écoute. Hein. Taboulé, par contre, ben, 1 kilo, 1,34 €. Allez, faire la différence. Il y a du jambon, il y a des Et œufs, il y alors, a c'est des des crevards quand tomates. même. Non, mais la piémontaise, c'est ce qu'il y a de plus cher. C'est des crevards. C'est ce qu'il y a de plus cher. Ma femme, elle adore le concombre, la vinaigrette. Donc, elle a repris une petite boîte. 1,43 €. Donc, cela, je ne sais pas si vous connaissez cela. À la crème. À la crème concombre, au fromage blanc. Ouais. Donc, c'est un petit format aussi, pareil. C'est très bon ça. J'ai repris des yaourts. Ouais, C'est mais si, simple, à pourquoi? la vanille. Pour faire des glaces. Vous savez, je vous ai mis les petits moules là, que je vous ai mis en présentation, que j'ai repris chez Action. Et non, on ne vous les a pas mis dans la vidéo. Je vais vous les chercher, des petits moules. Donc j'ai vu que sur internet, il y avait des recettes avec les yaourts, parce qu'à la flotte. Ouais, non, sirop flotte. Ça va être super sucré, et voilà, pas terrible. Donc je vais vraiment, en plus, on a plein de fruits qui est arrivé, donc on va essayer de faire ça. Donc on m'a dit de prendre des yaourts vanille, donc j'ai pris les premiers prix. Hein. Ça, je sais pas combien. 1,92 €. Bon, par contre, ils sont brassés, j'espère que ça ira. Bah, c'est juste liquide, c'est tout, Ouais, c'est non? tout. C'est pas. Donc voilà, il y en Pour a les 8 autres. dedans. Attends, je vais chercher les moules. Ouais, tu me crois après. Ma femme, je lui ai dit de reprendre un Saint-Hubert. Ceux-là, ils sont très très bons pour ceux qui connaissent. Nous, on aime bien. Donc, c'est au demi-sel pour elle. En fait, le petit déj le matin avec ses biscottes. Là. Donc, ça coûte 2,97 € celui-là ou 1,97 €? 2,97 €. Donc, là-dedans, vous avez 510 grammes. Mais non, il est vachement bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, faites l'essai, vous allez voir. Donc, pour les gosses, parce que le 4 heures, il n'y a plus rien à bouffer. Ils bouffent tout. C'est des poubelles sur pattes, entre guillemets. 3,50 €, on a pris un lot de Deli Choc.
chocolat au lait, parce que le chocolat noir, il mange pas. Donc on a acheté 2, 4, 6, il y a 6. 6 paquets à l'intérieur, c'est marqué en gros en plus, faut pas être aveugle. Donc voilà. Et vas-y. Donc les petits mots, j'avais pris action l'autre fois que je vous ai pas montré, donc voilà. C'est cela. Donc c'est pour ça que j'ai dit, on va tester pour faire des petites glaces dedans. Ce sera mieux que des glaces à l'eau. Pour notre fille, on lui a racheté aussi Sodebo, une salade, parce qu'elle aime bien, elle aime bien les salades en fait. Oui, vous allez dire, rien, on va bouffer ça entre les sandwichs et tout le machin, mais comme là-bas en stage, elle n'a pas de micro-ondes, elle n'a rien, donc on peut rien lui prendre de chaud. Donc elle est un peu embêtée, donc voilà. Donc là, ils vous fournissent donc la salade plus la sauce et la fourchette. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça, ça coûte 2,87€. Mais arrête de mettre dedans, on peut rien voir. Ça gênait pas, hein, regarde. Regarde. Ah, si, regarde. Non, on voit rien. On a pris un lot de pâtes, des macaronis, 1,80€ le lot 3, donc ça c'est des 1 kg chacun, je crois, c'est ça? Oui. Non, 500 grammes. Non. Si, 500 grammes de macaronis. Qu'est-ce qu'on a pris? J'ai repris de la crème légère. Bah oui, tu la tourneras. Ah ouais, elle est légère, elle s'envole. Elle s'envole. Donc la crème légère, celle-là, j'adore parce qu'elle n'est pas très concentré en matière grasse, il n'y a que 15% dedans, donc celle-ci je la prends à chaque fois. Et elle est très bien, 0,99€. Et il y a 505 grammes dedans, 50 centilitres. Ma femme elle a pris ça pour notre fils, les espèces de petites mini beignets. 2,45€, donc là dedans vous en avez 8, mais bon lui il va arriver. Il y en a plus. Alors Tiffany va arriver, il y en a plus ce soir. Je suis surpris des granolas. J'aurais pas dû, mais bon, je les ai vus, ils étaient en promo, donc du coup j'en ai pris. Il y a le lot de 3 et c'était 3€ quelque chose. C'est de la merde tes marqueurs, soi-disant indélébiles. Non, celui-là il s'efface, je crois. Les granolas, 3,12€, voilà, les 3 paquets. Donc ça c'est très bon, on va dire là-dessus. J'ai pris du cajoline. Attends, ça j'adore celui-là. Moi je peux pas le lénor, je suis allergique, donc voilà. T'es pas allergique à moi? Non. Bah non, bah si t'as enrhumé. Bah, désolée. Donc ça, 4,20€ la cajoline et on peut faire 64 lavages au total. Donc ça, je vous conseille, c'est très très bien. Attends, je vais raconter une connerie. Donc ma femme, elle a acheté les concentrés, comme je disais. Et moi je fais la lessive. Donc moi, j'étais habitué à son bidon de soupline, les 3 litres, 5 litres là je crois, ouais. Ou 5 litres, les grands bidons. Donc on faisait nos mélanges nous-mêmes, vous savez, vous mettez une dosette, vous remplissez de flotte là, à chaque fois. Et ma femme, elle a dû me le dire, mais ça a dû me passer au-dessus de la tête. Et moi, ce que je faisais, je renversais directement et je mettais au niveau maxi. Elle arrivait, bah, comme je suis à la maison depuis 6 mois, chaque fois elle me dit, maman, il faut racheter encore de la soupline, qu'est-ce que tu fais avec? Je dis, bah, je sais pas, je remplis au maximum. Oh, j'ai pris un tir avec quelque chose de beau. Mais oui, c'est, mais non, c'est du concentré, tu sais pas lire. Pour moi, c'est dose, de la soupline, ouais, je m'en fous. C'est, bah, c'est de l'adoucissant, je m'en fous. Hein. Après, ça sentait bon, je dis pas le contraire, mais voilà. On a racheté l'allume-feu en liquide à la marque Eco. Donc là aussi, ça a réaugmenté à Leclerc, encore 2,19€ les 1 litre. Ouais, parce qu'il me semble que c'était 1€. 1€ et quelques, 1,54€ si je me rappelle, ouais, de ce produit-là. Non, quand c'est je le prenais. Que je prends d'habitude. Bah, il y avait que celui-là de toute façon. Ouais. Donc voilà, c'est très bien pour allumer les barbecues, allumer le poêle, patati, tout ce que vous voulez quoi. Donc on a enlevé les glaces hein, parce qu'elles sont congelées quand même. Je les ai pas bouffées comme j'ai fait sur Snap. Hein. Donc c'est des magnums à la menthe. Moi j'adore cela. Allez, Alexis. Ah bah merci, me confond pas avec lui, s'il te plaît. Le lapin il adore ça aussi. Donc voilà, 3€. Pourquoi le lapin? Le lapin. Il est où le lapin? Donc 3€ celle-ci, il y en a 6 dedans. Non, ah, il y en a que 4 dedans. Alors. Il y avait des promos sur les gros paquets. Les magnums. Glaces, les magnums. Donc moi j'adore celle-ci. À la fraise et le chocolat blanc, c'est une tuerie. Bien. 3,19€, et là il y en a 6 dedans. Donc c'était en promo. Ça, t'adores celle-là? Celle-ci, je les adore aussi, c'est à l'eau. Mais bon, c'est pas grave, c'est des glaces au Morito. Moi j'adore, elles sont très bonnes. Et il y en a 6 dedans pour 1,90€. Du coup, je m'en prends 2-3 paquets à chaque fois. J'ai dit à ma femme, j'ai dit la prochaine fois, je les tremperai dans mon vrai Morito, ce sera meilleur. Hein. On a repris des magnums pour Alexis. Des magnums. Des M&M's, il adore celle-ci. Donc ça, c'est 3,45€ par contre. 54. Elles sont pas données par contre. Mais il y a d'autres goûts aussi. Il y a tout chocolat, il y a vanille et j'ai vu un autre encore. Je me rappelle plus. Vous lui donnez les mini-cônes premier prix. Alors monsieur, les bouffe pas. Si, si, il les mange. Mais... Non, il les bouffe pas. Là, dans la salle, c'est Tiffany qui les a finis. Pour mon homme, je lui ai pris des magnums miel nougat. Oui, c'est très monsieur nougat. Hein. Donc voilà, les 6, 3,19€, ils sont en promo cette semaine, donc si vous voulez aller en chercher, allez-y.
avec la chaleur qu'ils annoncent cette semaine. Et pour Tiffany, on a, ouais, on a fait une cargaison de gaz. Ouais, et puis rien aussi. Là, là c'est ouais. L'époque aussi. Tiffany, on a pris des cônes. Il y en a combien? 6 dedans. Ouais. C'est aux fruits rouges. Sorbet de fruits rouges, voilà. Il n'y a pas au marshmallow. Il faut que je lui trouve du marshmallow parce qu'elle adore ça, ouais. Tiff. 2,22€. Celle-ci. Voilà. C'est bon, t'as fait ton tour. Ouais, j'ai tout fini. Ouais. Hop, Calgon. Alors, par contre, c'est un peu cher pour ce que c'est. Hein. 3,59€. Donc, vous mettez ça non, dans. C'est du Calgon. Ouais. Pff. Donc moi j'avais suivi la recette à une dame, fallait mettre du vinaigre blanc à la place de ça justement pour éviter le tartre dans les machines et ça marchait très bien, je m'en plaignais pas. Mais le seul problème, le seul hic, c'est que j'en mettais un petit peu de trop, ça sentait un peu sur les fringues. C'est ça le seul hic. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là-dedans vous avez 750 ml et franchement je trouve ça un peu cher pour du Calgon. Ouais, tu prends le premier prix après. Ouais, pff, ouais, si c'est pour que ça fasse rien et que ça fasse plein de tartre dedans, on va pas prendre l'intérêt. Ma femme elle a repris ça pour notre fils, donc 1,38€, c'est les petites brioches au chocolat. Des pains au lait au chocolat. Donc, elle a dit des pains au lait, des petites brioches au chocolat. T'as dit pris ? Oui. 1,38€. J'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est une barre pâtissière, marque Repère aussi, toujours pareil. C'est une barre pâtissière de Bretagne, c'est très très bon celle-là. Par contre, je vous déconseille d'acheter les premiers prix, la marque Eco. Nous, on a fait l'expérience avec ma femme. Ils sont bons, mais ils se dépiètent. Non, non, ils sont pas bons. Il se dépiote. Ouais, il se dépiote déjà au coupage. Et alors quand vous le trempez dans le café, bah en fait, bah, il n'y a plus de café, il a été absorbé par le bordel. Il est carrément au fond de votre mug, hein, ou votre bol. Donc ça coûte toujours 1,95€, vous avez 800 grammes. Donc j'ai pris celle-là et j'ai pris celle au chocolat. Parce que ma femme, elle adore ça. Cardelec, là par contre, c'est pas la marque Repère. Parce que j'ai essayé la premier prix, pareil, c'est la même merde que l'autre. 1,87€, là-dedans, vous avez 500 grammes. Et ça, c'est une curie, toi. T'as fini tous tes produits, toi? Ouais, c'est moi qui fais toujours le même travail. Des pains au chocolat, donc 8 à l'intérieur pour 1,29€. En marque Repère, toujours pareil. On reste sur toujours à peu près la plupart du temps sur les marques Repère. Avant, ils n'emballaient pas en double emballage. Maintenant, ils nous font du double emballage alors qu'ils nous disent qu'il faut économiser. Voilà, ils nous disent pas comme quoi, oui, la planète, machin, faut faire gaffe, vous êtes en train de la polluer. C'est pas les premiers à nous passer les couilles avec des sur-emballages à la con, là aussi. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il est révolté aujourd'hui. Ah, je suis révolté, mais il y a de quoi? Ouais. Attends. Il est pas bon le mec là que t'as vu tout à l'heure. J'ai foutu un brin tout à l'heure, je me suis pris une claque. Hey, t'as pas donné le prix de mes crêpes? Et ça c'est quoi? Ah, j'ai le prix sur les crêpes. Ça c'est une tuerie. Pour ceux qui connaissent pas les crêpes bretonnes Mont-Saint-Michel. Oui, c'est des vrais. Oui, les vrais, oui, celles qu'on fait à la maison, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Mais celles-là, c'est bon. Vous les faites tillir en four en micro-ondes. Vous mettez du beurre direct dessus de la confiote. Merveille. 1,67€. C'est pas la mère Poulard là, c'est la mère Saint-Michel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tiens, fais ton produit de merde là, s'il te plaît. J'ai pris une bouteille comme ça parce qu'elle avait plus à Arnaud. Du coup, bah voilà. Par contre, elle n'est pas 0,73 centimes, elle a 1,14€ à Leclerc. Voilà, à l'action, voilà. C'est 0,73 centimes. Ah, vous avez vu. Donc voilà la différence. Donc bah, ça, j'ai repris parce que du coup, j'aime bien. C'est un mélange des fruits et des vergers. J'ai appris des sticks, la reine m'en file et tout. J'ai ça encore. J'ai appris des sticks pour moi, la vanille. Ceux-là, je les adore, ils sont très bien. Ils sont efficaces. Pas à travers le téléphone que ça pue? Elle en a pas mis aujourd'hui. Non. Oh. Pas elle a le livre. Non. Oh la vache. Mais moi qui ai le nez bouché, je le sens à travers. Que tu pues, tu vois, bon, tu le dis. 4,80€ les deux. Tout seul, je crois que c'est deux. Ah, je sais pas, je crois que ça doit faire le même prix. Je vois pas trop la différence entre la promo, mais bon, c'est pas grave. Donc j'en ai pris deux parce que ça marche très bien. Je n'ai rien à dire. Ils sont très bien ceux-là. Ils sont pas à la fleur d'Alain parce que moi je supporte pas la fleur d'Alain. Ils sont à la fleur d'Anus. J'ai pris des torsades qu'on va manger là dans pas longtemps. Non, il est midi, il va falloir faire manger. Non, 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 mais j'ai faim. Ah. C'est mort. 1,10€ le lot de deux de trissé au chocolat. Franchement, ça c'est trop bon ça aussi. Il y avait des glands, mais à chaque fois qu'on va avec Claire, à chaque fois qu'on va avec ma femme, on prend des glands. Il n'y en a plus. Par contre, en ce moment, ils sont pas mal au rhum. Au rhum, ils dosent bien. Non, non, c'est du rhum. Parce que finir. Le lot de princes. Ah ouais, parce qu'Alexis il adore ça en ce moment. Il me dit ils sont où les rois? Non, c'est les princes, c'est les rois. Les rois, c'est pas grave. Donc okay. Voilà, le lot de 6. C'est un promo. Normalement, ils sont à 6, c'est des poussières. 6,50. Et là, ils sont à 4 des poussières. Donc voilà. Ouais. Et un promo, il y a 6 dedans. 6 paquets dedans. Ça vaut le coup. Voilà pour un moment au moins. Ouais, on va dire ça. Bah, sûr. Moi j'ai fini. Explique ton câble. Donc que je vous explique, j'ai racheté un câble. Donc ça c'est pas pour mon VTT, hein. Ça je m'en fous. Hein. En fait c'est pour mon tracteur. Ça sera assez long. J'espère.
En fait, dans mon, de, par rapport à mon 3 quarts tondeuse, j'ai été un peu embêté. C'est que le câble, j'ai acheté une courroie, bah, encore mieux, j'ai une meilleure anecdote. Ma courroie de mon tracteur tondeuse, elle s'est mise à lâcher, donc elle se mettait à fumer et tout le machin. Je me disais, il y a un truc qui va pas, à mon avis, la courroie, elle est pas bonne. Donc je vais faire l'expérience, je vais aller faire chez, un petit tour chez Ravillon. Je lui dis, bon, bah voilà, il me faudrait cette courroie-là avec 2 cm de moins, de la longueur complète, parce que je me suis dit, elle a dû se détendre avec le temps. Je vais chez Ravillon, il me dit oui j'en ai une mais c'est 80 euros le temps que je la fasse réexpédier d'un autre magasin. Je dis oh, pas de problème, donc j'y retourne le lendemain. Le mec il me dit ouais c'est bon, tiens je l'ai, il n'y a pas de souci. Je dis je te verse quelque chose, il me dit teste avant sur ton tracteur pour voir si c'est bon. Je teste sur mon tracteur, vous me croirez si vous voulez, j'ai pas payé. Hein. Je la mets dessus, je me dis tiens nickel, elle va pile poil. Au moment où je mets ça en route, ça se met à fumer, j'ai cramé une courroie à 80 balles. J'annonce ça à madame, je dis chérie, je suis dans la merde, j'ai été obligé de payer la courroie à 80 balles. Heureusement que c'est marqué renforcé. Je sais pas où c'est qu'ils ont dû renforcer leur merde, mais bon. Donc j'ai cramé la courroie pour rien. Mais renforcé, si je la crame un petit peu, elle brûle. Hein. Ouais, c'est de la merde. Donc j'ai dit au mec que je connais, Christophe, qui est chez Ravillon, j'ai dit est-ce qu'il y a une possibilité qu'il puisse venir et me dire et me constater l'anomalie qu'il y a sur mon tracteur, parce qu'il y a un truc qui va pas quand même. Pour que la courroie se mette à patiner, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Alors, il est venu, il m'a dit ouais, bah la courroie déjà est obligée d'en racheter une, 80 balles, donc ça fait 160 euros en un mois pour une courroie. J'ai dit non, c'est hors de question. Donc il va falloir que je trouve une autre solution. Et je lui dis, par rapport au câble, c'est pas lui qui ferait en sorte que ce soit tout le temps tendu et que ce soit le bordel. Il me dit, ouais, peut-être. Je suis pas professionnel là-dedans, je connais rien. Mais je me suis aperçu qu'en fait, c'était le câble. Le câble est trop court, il se met toujours en mode frein et ça m'a bouffé la courroie pour rien. Deux courroies. Donc là, pour en parler, pour en revenir à cette merde, donc j'ai acheté un câble à 2,30€ et je le testerai pour savoir si c'est bien ça ou pas. Mais franchement, moi, à ta place, j'aurais acheté un câble vraiment. Ah mais là ça va me coûter 80 balles encore pour un câble. Bah on sait jamais. Déjà 2,30€ un mini câble de VTT, vous avez qu'à voir. Un mini câble hein. T'auras vraiment le câble. Pour ça se trouve t'auras payé 5€ mais t'auras vraiment le câble qu'il faut. Non mais faut que je lui amène la référence et tout le machin de mon tracteur. Bah oui, ça serait pas mal hein. Parce que tu prends des locales, mais à la fin ça vient au même prix que d'acheter un vrai. Non ça c'est 2,30€. Imagine-toi, il m'annonce qu'il y a 20 à 30 balles. Tu vas pas gueuler? Non, bah déjà qu'on voit 80€. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Si, c'est grave. On montre ce que tu m'as dit dans le thème, là. Oui. Oui. Tu devais pas y aller. On a reçu du courrier. Ouais. On a reçu le courrier de Sylvie. C'est ça? Sylvie et Valérie. Mathilde. Mathilde, ouais. Mathilde, ouais, ça doit être Mathilde. Tu veux peut-être un coup de main pour le bordel? Ah ouais, parce que... Bah non, j'ai pas envie. Ah ouais, je suis comme ça, moi je suis chiant. C'est quand tu veux, hein. Dis donc, toi. Ah, quand même, c'était un peu long. Ça commence par la petite. Aïe, elle voulait me frapper. Donc, ma petite Mathilde, merci encore. Je te montre, je montrerai après. Par contre, faut que je cache parce que sinon je vais encore me faire engueuler. Donc, je cache. Hein. Je cache l'adresse. Vous pouvez faire pause, hein, vous verrez rien, il y a mon bras. Donc, voilà. Donc, on a reçu un beau colis de Mathilde. Alors, dedans. Donc elle sait que je suis fumeur, hein, pour ceux qui savent pas, qui sont nouveaux et nouvelles, elle a pensé à moi. Étui pour paquet de cigarettes, elle me l'a fait en papier, donc voilà, comme ça je pourrais mettre mes clopes aussi dedans. En mode cactus, elle a fait ça bien, hein. Ou elle doit être fumeuse Mathilde, ça doit être ça à mon avis. Qu'est-ce qu'elle m'a fait d'autre? Elle m'a fait plein de trucs en fait. Elle m'a fait beaucoup de cartes ATC, comme ça me met dans le bain. Elle m'a donné aussi pas mal de trucs, donc des rubans à décoller à utiliser, donc voilà. Elle m'a donné. Pardon. J'ai la gorge sèche. Je vais mourir. T'es mouru? Je vais mourir, tu vas être débarrassé. T'imagines? Ça va être le kiff. Hein. Donc elle m'a donné des tags. Donc ça, ce sera à mettre sur les cartes ATC ou sur des colis ou vice versa. Voilà. Ça a ramené. Ah oui. Moi, je blatère sur celui-là, toi, tu te débrouilleras avec l'autre alors. Mm. Ouais? Elle m'a fait un petit moulin à vent. Mm. Il ne tourne pas, mais c'est la déco, elle est vachement bien. Moi, avec j'aime un bien. Bâton à glace. Avec un bâton à glace. À mon avis, il a dû manger un magnum en même temps. Avec le petit smiley qui va bien derrière. Hop, putain, c'est beau. Hein. C'est bien travaillé. Hein. Elle m'a envoyé ça aussi, des petits post-it aussi. Donc, elle a décollé ce qu'elle a mis déjà sur les trucs, là, déjà. Mm. Donc, il y en a plein. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans? T'as mis un calepin. Elle m'a mis un calepin autocollant aussi, c'est pareil. Oui, j'ai vu ça. Donc ça, c'est mal, pareil, ça. C'est autocollant aussi, c'est ouais, vachement merde. Je sais pas où il a trouvé ça. Bah, Action, je pense. J'ai jamais vu. C'est parce qu'on n'a pas dû faire attention. Non.
C'est pas mal. Donc il y en a une bonne épaisseur, vous n'avez qu'à voir, une bonne épaisseur. Donc voilà. Des post-it. C'est bien en plus parce que regarde quand je cherche pour mettre des petits trucs à chaque fois pour marquer des noms ouais, à coup de tampon, c'est pas mal. Ouais. Alors. Et c'est Mathilde. Ah, c'est ouais, c'est Mathilde. Concernant tous les deux, voici quelques petits trucs pour scraper des petites créations que j'ai faites. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous à vous deux et aux enfants. Mathilde. Merci Mathilde. C'est Mathilde. Donc là, elle m'a fait ma pochette. Et en fait, elle a fait... Ah, t'es équipée. Ah oui, non, mais elle m'a fait the pochette, quoi. The grande pochette. Mais ce qu'on je l'ai pas refermé, hein, parce que je l'ai déballé. Bon, il fallait que je lise. Donc, il y a beaucoup de cartes ATC dedans. Donc, elle a fait pochette à cartes ATC. Voilà. Donc, je vous montre pas derrière. Il y a son email et tout le machin. Donc, je ne sais pas voir. Et je crois qu'elle m'en a fait 8 au total, je crois, si je ne m'abuse. Hop, je vous montre pas derrière, c'est toujours pareil. Ah mais elle fait ça bien. Elle fait ça depuis octobre, je crois. C'est pas non, c'est pas octobre. Non, faut que je lui redemande. Non, ça doit faire un petit moment, je crois. Je vous montre pas parce que derrière il y a son tampon. Donc là, elle a fait ça avec les ficelles. Elle a percé déjà sa corde, sa carte de démarrage. Et elle a passé toutes ses ficelles. Regarde, c'est bien fait. Il n'y aura pas de la ranger par contre. Oui. Ah oui oui. Donc là, elle a fait les petits nounours. Donc ça, c'est thème quoi? Donc là, c'est... Dingue de tout... Topu? Je sais pas. Hop! Là, elle m'a fait celui-ci. Elle fait ça bien, hein? Donc là, c'est pochoir. Je crois qu'elle m'en a fait 8 total. Si je ne raconte pas de bêtises. Toc. Là, on a fait celui-ci. Je ne montre pas l'adresse. Donc là, thème mère. Alors là, c'est. Si, ouais, c'est six mères dans tous ses états. Non, c'est la mère. La mère ? Ah, c'est la mère dans tous ses états. Autant pour moi. C'est ce qui permet. Oui, je crois. Ouais. Il va falloir j'aille refaire un tour chez l'ophtalmo. Ouais. Il y en a encore. Hein. Hop. Alors celui-là, je le kiffe celui-là. Tu vas pouvoir faire un échange. Oh, il est beau celui-là. Il est beau, hein. Là, c'est attrapable. Il est chouette celui-là. C'est un autocollant ? Ah ouais. Mmh. Donc là derrière c'est pareil. Donc là quand je vous dis qu'elle m'a foutu ça dans la pochette complète, toutes les ATC sont dedans en fait. Okay. Elle m'a mis aussi derrière. Pas. Ça vient pas au moins. Il va falloir que je fasse un échange et que j'arrive à me mettre à fond dessus aussi. Ouais. Et là elle m'a remis encore des trucs autocollants. Des washi tape à décoller et à utiliser. Donc voilà. Bah merci Mathilde, hein. C'est super gentil. Vous faites du sacré boulot quand même parce que. Ouais, faut que je me mette. Faut que je me mette la pochette là et tout. Faut que je me mette. Faut que je voie. Il y a des gens qui arrêtent pas de me dire que va faire un tour sur la création par rapport à la fabrication des machins. Faut que j'aille faire un tour en fait. Oui, il y a des beaux trucs, j'ai l'impression. Donc voilà, là elle est refermée. Là je l'ai refermée. Donc voilà. Bah mais merci Mathilde, hein. C'est super gentil. Hein. On va le mettre dedans pour éviter de le perdre. Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, le reste, ça quoi. Enfin, moi j'ai fini. Donc, ce matin, on a été chercher un autre colis aussi. Merci, hein, c'est trop gentil pour vos colis. Hein. T'as fait couper, franchement. Ouais. Donc, on voit les colis. Mais c'est super agréable en fait. On se dit, mais pourquoi ils nous ont envoyé ça? C'est qui je t'ai dit d'envoyer ça? Alors. C'est Praline 152, mais normalement ça peut être pas comme ça. C'est Sylvie. Pas Sylvie, voilà. Ouais, je t'avais dit Sylvie tout à l'heure. Longue vie à votre chaîne et vous êtes touchant et vrai. Et c'est ce qui donne envie de vous suivre. Merci Sylvie, c'est gentil. Depuis octobre, monsieur. Ouais, depuis octobre. Donc bonjour à vous quatre. Je vous suis depuis octobre, je vous adore. Je vais ouvrir une biscuiterie. Alors ça vaut le coup. Artisanale en septembre. C'est pourquoi je vous permets de vous envoyer des biscuits pour accompagner vos cafés. Oui, ça c'est clair. Au moins une qui sait qu'on boit beaucoup de café. Hein. Plus du bricolage pour Alexis. Je vous souhaite bon courage. Merci, c'est trop gentil. Ouais, merci Sylvie. T'en as eu d'autres enveloppes à lire. Non, c'est... T-Rex et lapin. Non, c'est ce qu'il y avait dedans. Ouais. T-Rex et lapin. Ouais. Voilà. Regardez. Les meringues. C'est ce qu'il y a fait là-bas. Ouais, bah, c'est plus moi qui vais manger ça. Toi, t'aimes pas ça, toi. Les meringues. Donc là, c'est meringues. Il y a mis quoi dedans, maman? C'est raisin? Je sais pas. Regarde dedans. C'est la mie dedans. On a un peu subi celle-là. Ah. Oui, on dirait du raisin dessus. Du raisin, je pense. Des cacahuètes. Il y a d'autres là. Celle-là, c'est un peu subi.
Mais ça a l'air trop bon. Elle a fait des smileys, regardez. Au caramel, maman. Ah bah c'est que pour moi. Mmh. Ça doit être tout au caramel. Merci Sylvie. Donc il y a deux cadeaux pour Alexis, qu'on lui donnera tout à l'heure. Et là c'est quoi? Il va être content, je pense. Les délices de Marion. Elle a fait ceux-là aussi. Ah ouais. Voilà. Sérieusement, ça a l'air trop bon. T'as plus qu'à nous envoyer ton adresse pour qu'on puisse commander tes gâteaux du coup. Ouais, t'as plus le choix maintenant. Ouais. Ils ont l'air super bons en plus. Ça va, ils sont arrivés à peu près à ouais, ça va. Il y a le petit smiley. Le smiley. Oui, je les ai pas vus tout à l'heure. Bon là, par contre, les smiley, ils ont un petit peu subi là ouais, pour mais certains. Ça va, vu le transport. Encore, c'était marqué très très fragile dessus. Hein, ouais. J'ai bien vu. Ouais. Donc, bah, merci Sylvie. C'est trop gentil. Ouais, merci à toi et puis et merci aussi à Mathilde. Bah, dès que tu fais ta boutique est ouverte, tu nous dis et puis on te fera de la pub. Ouais, on va te faire de la pub, on va faire plein partout sur Facebook, YouTube, Snap, peut-être Instagram, partout. Pas de soucis. Partout comme ça, on enverra avec ton adresse et tout le machin. Ils sont obligés d'y aller. On mettra l'itinéraire aussi. Allez-y, c'est pas là. Voilà, allez, on vous fait de gros bisous, on vous remercie tous pour les colis. Voilà, merci à Sylvie, puis merci aussi à Mathilde pour tout ça en fait, ouais. Et puis bah, tous les gens qui nous ont envoyé aussi, hein. C'est super agréable. Merci pour les petits mails aussi, parce que ça m'arrive d'avoir des petits mails de gens qui disent merci. J'ai pas d'amis, moi. Mais non, c'est moi qui ai la boîte mail. Ouais. C'est mon compte de base, mais c'est toi qui... Hein? Non, c'est pas toi. Si? Non, c'est ma boîte mail. Non, c'est à moi. Non, c'est pas à toi. T'es viré pour la porte, c'est pareil. Bon, allez, la poubelle, moi. Elle est malade, elle sert plus à rien. Je lui dis quand est-ce que je prépare le trou, elle veut pas encore. Bon, non, c'est pas pour cette fois. Mais chier. Je résiste. Quand est-ce que je vais faire venir ma maîtresse? La bête m'aura pas. C'est mort. C'est moi la bête. Bon, bah, sur ça, on va vous souhaiter une bonne journée, surtout avec le temps qu'on a là en ce moment, c'est super agréable. Ouais, bon, ce qui nous manque, nous, c'est la mer, hein, comme la famille B, que du bol. Que du bol. Ils ont tout ce qu'il faut juste à côté. Ouais, mais tous ceux qui sont dans le sud ou à côté de la mer, ils ont de la chance. C'est ça. Enfin, eux, ils ne se rendent peut-être pas compte maintenant, mais nous, quand en pleine campagne, voilà. Si, ils s'en rendent compte, parce qu'avant, ils étaient sur la région parisienne. Donc, c'est ce que Romain il disait, ils étaient par là au démarrage. C'est pour ça qu'ils ont immigré directement dans le sud. Et franchement, ils ne s'en plaignent pas, au contraire. On va immigrer, je crois. Nous, on en a un peu... Ça fait quelques années, ça nous travaille, et ça viendra. Ça va, oui. Dès qu'on a l'opportunité... Là, j'ai déjà vu des annonces, mais c'est pas bon, donc... Dès qu'on pourra, descendra. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Allez voir aussi la chaîne, donc la famille B. Allez faire un tour sur la Parisienne Makeup. Un petit bisou à Priscilla, à Sora. Donc si elle voit la vidéo, elle aura compris. Elle aura dit merci, il l'a fait. Donc c'est fait. Donc sur ce, on vous souhaite une bonne et agréable journée. Et puis merci à tous de nous suivre déjà. Oui. Les 2753 abonnés, d'après ce que j'avais vu. Ouais. Et si ça augmente, c'est bien. Petit à petit, c'est très bien. C'est super. Pensez à vous abonner, ceux qui n'y sont pas. Mettez la cloche pour ceux qui hésitent de mettre des commentaires, faites-le parce que sinon, nous, on n'augmente pas au niveau des au niveau des abonnés. Non, mais c'est chiant. On aime bien lire les commentaires. Ouais, c'est agréable. Et en général, on répond à tout le monde. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On ne mord pas, c'est pas parce que j'ai une sale gueule que je ne vais pas répondre, vous inquiétez pas. Là, je vais avoir des commentaires, mais alors bien poignants sur le coin de la gueule, là. C'est pas grave, j'adore ça. Mais sinon, non, n'hésitez pas à activer la cloche, mettez des j'aime, faites des commentaires, allez-y sur Instagram. N'oubliez pas sur le téléphone, la petite flèche qu'il y a dans l'angle. Quand vous avez votre téléphone sur vous, vous allez voir, il y a notre nom. Juste à côté, vous avez une petite flèche qui est sur la droite. Vous cliquez dessus, vous allez avoir tous les liens Instagram, Snap, mail. Et c'est tout, je crois. Oui, d'autres trucs sur Internet. Voilà, et puis si elle a des... Ingrad aussi pour avoir des bons de réduction. Voilà. Vous inscrivez, vous aurez pas des réductions quand vous commandez sur Internet. Voilà. Donc voilà. Le message est passé pour tous. Donc sur ce, nous vous embrasse tous et toutes. Oui. Et on vous dit à la prochaine. Ça y est, c'est la guerre. Hein, c'est la guerre mondiale entre les chiens et les chats. C'est une catastrophe. Sur ce, on vous embrasse tous et à la prochaine. Merci beaucoup. Et bisous et merci à tous. Bye, bye. Bye.